Bonjour. Vous êtes très nombreux et a priori, je pense qu'on est plus que complet. Donc on va démarrer légèrement en avance si ça vous convient, histoire de gagner 3 minutes avec les invités qui sont ici pour les garder évidemment pour que vous puissiez poser des questions. Donc, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Peut-être juste un petit cadrage de cette rencontre. Évidemment. Excusez-moi, je confie. Voilà, ça devrait mieux se passer comme ça. Vous m'entendez bien, ça va? Vous avez vu, ça fait un petit effet sonore qui est intéressant. Donc, je pense que c'est le micro qui est trop là. Trop fort. En tout cas, c'est mieux. Je vous propose du coup de parler de littératie en IA. Je vous propose de parler du développement des compétences numériques. Je vais changer. Je suis désolée. Normalement, c'est les joies du direct. C'est mieux comme ça, non? On est d'accord? Le sujet donc qu'on s'est posé ensemble avec nos invités, c'est plutôt le sujet du développement des compétences numériques à l'heure de l'intelligence artificielle, qui est un autre angle que celui qu'on avait pu aborder d'ailleurs l'année dernière, ici, au même endroit. On a réuni 4 intervenants qui viennent justement, pas que du monde de l'éducation, en tout cas pas directement du monde de l'éducation. Je vais les laisser très rapidement se présenter en quelques mots. Peut-être que vous nous redisiez finalement ce que vous faites et pourquoi sur le sujet de l'IA, votre propos est particulièrement adapté. Tu veux bien commencer, Jean? Merci. Bonjour, Jean Cadan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Le Conseil national du numérique, mais on y reviendra, a lancé cette initiative Café IA, caféia.org. On en parlera tout à l'heure et je crois que c'est ça dont on pourra parler. Je vais faire court. Merci Jean. Margarida. Margarida Ruero, donc enseignante-chercheur. J'aide surtout des enseignants à s'acculturer à l'IA et au numérique. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Jean-François Lucas, je suis délégué général de Renaissance Numérique. Renaissance Numérique, on est un think tank indépendant et non partisan, c'est-à-dire qu'on est affilié à aucun parti. On a été créé en 2007 et nous, on a une raison d'être, c'est de débattre et d'éclairer les décisions pour une société numérisée et responsable. Responsable, ça veut dire plus juste du point de vue des droits et des libertés fondamentaux, plus démocratique, plus inclusive et plus responsable du point de vue environnemental. Axel Jean, je suis le chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée. Et dans mon équipe, on a la chance de travailler avec des gens comme Margarida Romero, des chercheuses, des chercheurs, des EdTech, des entreprises et évidemment avec des professeurs pour essayer de répondre au mieux aux besoins des usagers, donc centrer l'utilisateur, avec des services basés sur de l'IA et de trouver le juste milieu entre ce que peut faire l'IA et ce que doit faire l'IA, subtilité déterminante en démocratie. Alors on va commencer avec un éclaircissement de notre sujet. Et une question a priori assez simple, mais qui mérite d'être posée, c'est finalement pourquoi aujourd'hui l'intelligence artificielle, et en particulier générative, remplit les salles à l'occasion des conférences éducatech, et finalement est peut-être aujourd'hui plus qu'un sujet de société. Allez Jean, oui, si merci tu veux bien. Beaucoup. Non, parce qu'en fait, comme beaucoup de technologies, finalement ça va être un élément structurant de notre cadre social. Donc j'entends sujet de société ici posé comme sujet peut-être anecdotique, mais en réalité c'est un vrai sujet de société dans le sens où c'est quelque chose qui va contribuer, comme beaucoup de technologies, à modeler nos relations sociales, notre relation au savoir, la façon dont on construit les savoirs. Donc pour cela, il est important et primordial en réalité de mettre l'IA au centre de la table de notre conversation démocratique de proximité comme un plus grand échelle. Margarida. Oui, c'est un sujet déjà parce que tant les élèves comme la société en général s'est approprié de ces différents outils d'IA, des génératives, et du fait qu'il y a des usages, on doit se poser la question de avec quoi, quels sont les outils avec lesquels on travaille, quels sont les usages qu'on considère pertinents ou pas à l'éducation. Et aussi qu'on arrive aussi à accompagner des enseignants pour qu'ils soient capables de décider quelles sont les intégrations qui sont les plus pertinentes en classe.
Alors moi, avant de répondre, je vais juste dire que moi, je ne suis pas spécialiste de l'éducation, des questions pédagogiques. Je représente un think tank qui réunit une quarantaine de structures adhérentes, des tout petits, des très grands, des gens qui ne sont pas d'accord. Et notre but, c'est de débattre. Donc aujourd'hui, pourquoi je suis là? Parce qu'on a un groupe de travail sur des questions d'inclusion, de littératie et d'IA. Et donc, on fait beaucoup d'auditions, de littérature. Donc moi, je vais plutôt vous faire part de ce qu'on entend, de ce qu'on nous dit. Pourquoi c'est un sujet de société? Peut-être quelques chiffres quand même. Novembre 2022, ChatGPT-3 sort. En janvier 2023, je vais perdre les dates, 100 millions d'utilisateurs dits actifs. On n'a jamais connu un tel développement, un tel... Alors, je n'aurais pas dit appropriation, on va peut-être en parler, mais... Un tel engouement, un tel test pour un service informatique. En septembre-octobre 2024, donc cette année, les chiffres nous disent 200 millions d'utilisateurs, plus de 3 milliards de personnes qui ont testé l'outil, ou le service, on l'appelle comme on veut, en dispositif. D'ailleurs, l'outil est sans doute pas le bon terme. Donc c'est quand même quelque chose de phénoménal. Après, on est aussi dans cette phase intéressante où il y a des gens qui commencent à nous dire on s'est peut-être un peu enflammé, on est peut-être dans une bulle spéculative. Il y a des choses extrêmement structurantes du point de vue des infrastructures, du point de vue des CPU, etc., qui laissent entendre quand même qu'il va se passer des choses, mais on est en train de se poser la question aussi de savoir si vraiment on est dans cette bulle ou pas. Et puis on est dans un rapport de force très intéressant entre les usages prescrits, actifs, et puis les imaginaires. Un point très rapide aussi, je lisais hier dans la newsletter d'un journaliste qui s'appelle Hubert Guillot, et je vous invite à la lire, ça s'appelle « Dans les algorithmes ». Hubert faisait référence en fait au taux de chute des usages. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui est sortie, je crois que c'est aux États-Unis, mais je ne suis pas sûr, qui montre en fait qu'après 10 jours, les gens commencent à beaucoup moins utiliser le ChatGPT ou d'autres outils, et après 40 jours, ils délaissent. Donc il va falloir prendre le temps un peu de regarder ce qui se passe du point de vue des usages. Ça, c'est le premier point. Les usages, je suis peut-être déjà trop long, mais il y a vraiment cette question des usages qui est importante. Puis après, vous l'avez dit tous les deux, mais on est sur quelque chose quand même. Je suis désolé si vous avez un écho. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Sans derrière toi aussi. Ouais, donc je vais peut-être m'avancer, je ne sais pas du tout. Et du coup, Jean, tu l'as dit rapidement, mais on est quand même sur quelque chose qui percute la question de la connaissance et du rapport à l'information, qui percute la question de la démocratie, qui percute la question environnementale, enfin tous les pans de la société. Donc on est quand même sur quelque chose de très massif du point de vue des questions que ça pose et du point de vue des usages prescrits ou actifs. Et pour toi, Axel, alors ? Alors, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Plantard dit très tôt, chercheur, le numérique est un fait de société totale, un phénomène total. L'IA, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a été dit, ça impacte tous les points de la société, l'école étant au cœur de la société, du projet de société, l'actuel et celle à venir, c'est normal que l'école s'en empare. Et c'est d'autant plus normal et urgent qu'à cause de ça, dans la poche de nos enfants, de nos élèves, ils sont exposés en permanence par les réseaux sociaux, par l'imagerie, par la messagerie, par leurs jeux, par leurs choix culturels, à des propositions pensées par des gens qui ne rendent de compte à personne. Donc, les élèves utilisent massivement ça sans avoir le recul nécessaire, l'esprit critique, l'adulte qui leur permet d'avoir ce pas de côté. Et je force le trait, les enseignants se disent « c'est peut-être qu'un effet de passage », ou les ministères se disent « peut-être n'est-ce qu'une mode », etc., etc. Donc, en fait, il y a une sorte de scission, une séparation possible entre des usages massivement pratiqués par les jeunes publics, des adultes qui s'en servent beaucoup, beaucoup moins, et qui se disent « je m'en suis passé jusqu'à là, donc ça se trouve, c'était qu'un effet de mode, un passage ». Donc il y a une urgence absolue à ce que les enseignants, les formateurs d'enseignants, les inspecteurs, les ministres comprennent qu'il y a une urgence à se former, et l'essentiel, c'est une publication qui arrive dans quelques jours, c'est de former des citoyens. Former des citoyens actuellement, ça ne peut pas être sans intégrer les évolutions technologiques qui relèvent d'une révolution industrielle probablement. En très rapide, des révolutions, on en a vu d'autres, mais celle-là, elle a deux particularités, on reviendra peut-être sur d'autres. Elle est très rapide, donc elle va être très violente. Les précédentes prenaient 20 ans. 20 ans, c'est une génération, un ministère a le temps, c'est préparé en 20 ans, pas là. Donc là, c'est compliqué pour nous. Et deuxième particularité, c'est qu'elle touche cette fois-ci l'école blanche. Et ça, on ne sait pas faire. On sait gérer des révolutions industrielles qui touchaient, impactaient les classes ouvrières, mais pas une révolution qui va impacter les classes autour du savoir. On n'est pas bien armé pour ça, et quand je dis on n'est pas bien, j'élargis à toute l'Europe, et donc l'enjeu est devant nous, dans l'action, et surtout ne pas être dans des services qui soient, enfin des décisions qui soient juste de délivrer de l'eau tiède, parce que le temps passe vite, l'accélération est encore en cours, et pour l'instant on est un peu resté figé dans les starting blocks pour l'Europe. Ok, ça c'est une introduction donc. Je vous propose de se poser très rapidement la question des compétences. En gros,
si on parle des élèves, les élèves d'aujourd'hui, alors évidemment, un élève il peut avoir 6 ans et il peut avoir 17 ans. Donc on peut imaginer qu'on n'y répond pas de la même manière en fonction de son âge, n'empêche. Finalement, qu'est-ce qu'on devrait normalement réussir aujourd'hui du point de vue du développement des compétences numériques de ces élèves, mais surtout, finalement, dans quelle finalité? Et on se posera ensuite la question de « et c'est le job de qui ?» Parce que là-dessus, on n'est aussi pas hyper au clair, je dirais. Margarita, peut-être pour ouvrir. Au niveau des compétences, une des études qui a été sortie, c'est en fait pas simplement c'est en train d'impacter l'éducation, mais on va devoir former à des niveaux bien supérieurs qu'antérieurement. Pourquoi? Parce que certains des travaux qui pouvaient être réalisés avec une faible formation pourront être automatisés. Donc on a besoin d'une société avec de plus en plus de compétences. Mais pas uniquement ça, l'école a énormément d'exigences face à ces changements. Il y a également tout le développement de la pensée critique. Et je pense que c'est un aspect sur lequel l'éducation en France elle est forte. Donc cette capacité à avoir un esprit critique face à aux différentes technologies, mais à la fois fournir des solutions et fournir des services qui puissent être utilisés de manière éthique. Mais l'autre chose, c'est être capable de comprendre l'informatique et la collaboration entre les sciences de l'éducation et les sciences de l'informatique sont clés, parce qu'on a besoin également que les niveaux de culture générale en informatique s'améliorent pour qu'on comprenne qu'est-ce que la donnée, qu'on comprenne qu'est-ce que les algorithmes, qu'on comprenne qu'est-ce que l'empreinte numérique qu'on laisse quand on utilise des services numériques, et qu'on puisse avoir un jour, moi, une de mes rêves, c'est que les gens puissent réclamer avoir des machines à laver open source. Mais pour 4 jours, les gens puissent avoir ce type de rêve, ça demande que les personnes sachent comment ça fonctionne un système technologique, puissent comprendre la modularité des systèmes, et puissent comprendre que cela est faisable et ça serait possible en ayant les compétences clés. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et en même temps beaucoup d'acteurs et de partenaires avec lesquels, aussi bien au niveau des INSPE qu'au niveau des académies, les DRAN, mais aussi des acteurs comme Terra Numérica, la Maison de l'IA et d'autres, font un travail aussi extraordinaire. Alors, je vais volontairement poser une question un peu piquante. Une étude qui a été réalisée dans le cadre de l'AMI-CMA, le SGPI, autour de la question des compétences numériques que tu connais, je crois, Margarita, qui s'appelle Edu 2030, montrait que, dans le cadre de la formation initiale des enseignants, comme dans le cadre de leur formation continue, le développement des compétences des enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes intervenir dans le développement des compétences numériques des élèves, je crois qu'en moyenne on était à 3%, c'est-à-dire que sur leur temps de formation, le numérique représente 3%, peut-être même 2,7% je crois. Est-ce que vraiment ça va suffire compte tenu des enjeux qui sont ceux que nous sommes en train de vivre? Peut-être Axel ou Margarita, si tu veux compléter sur ce point-là, puis je donnerai la parole ensuite à Jean et Jean-François. Alors, clairement, on est devant un mur de besoins de formation comme on n'en a jamais connu. C'est-à-dire qu'on doit penser une formation systémique, de ministre jusqu'à futur professeur. Ça ne s'est jamais produit. Le besoin de formation pour un inspecteur, pour un chef d'établissement, est le même que pour un jeune professeur. Voire parfois, il y a une inversion. Le jeune professeur est au moins usagé, donc il sait à peu près de quoi on parle. C'est très compliqué. Ça ne s'est jamais produit et ça n'est pas documenté. Comment on forme de manière systémique 1 million d'agents. En 2 ans. Non, c'est effectivement très complexe. Donc il faut qu'on fasse feu de tout bois, qu'on utilise des multicanaux, en fait, mais vraiment, quand je dis faire feu de tout bois, ça veut dire vraiment changer notre modalité de fonctionnement, parce que si c'est pour appliquer des méthodes d'avant les IA génératives, c'est se condamner à échouer. Les choses vont trop vite du fait du phénomène d'accélération. Donc il y a des dispositifs, il y a des modalités, et chacun doit, à son niveau, enclencher des formations pour les professeurs, mais la recherche du systémique est simple à évoquer, complexe à réaliser. Donc on a besoin de démarches très simples du type café IA, acculturation, ouverture au plus grand public, parce que la formation, elle n'est pas que concentrée dans les mains des enseignants.
les parents doivent être informés, etc. Donc on a ce besoin-là, et il se trouve que on a avancé des choses avec des chercheurs, avec des associations, par les entreprises, quand on développe des services. Vous voyez aussi fonctionner en vrai, donc vous enlevez la boîte à fantasmes, vous enlevez la boîte à affabulation loin des sciences, parce qu'il faut qu'on reste dans le champ des sciences. Le pays de Descartes doit rester dans le champ de l'exigence, de l'esprit critique, de la logique et d'une exigence absolue scientifique en conception, en réalisation et en évaluation. Un point, je l'évoque maintenant avec nos collègues européens, le sujet est le même pour tous les Européens et à mon avis les mondiales de formation. On a fait un projet qui s'appelle AI4T, Artificial Intelligence for and by Teachers, dont le but est de faire des communs numériques, un MOOC hébergé sur France Université Numérique pour les Français et un open textbook porté par la chaire Ressources éducatives libres IA de Colin de la Higuera à Nantes. Ça n'est pas parfait, c'est disponible, on s'est mis d'accord à 5 ministères, autant vous dire que c'est un exploit, pour définir qu'est-ce qui est un 3 à 5 heures, l'indispensable à savoir quand on est professeur. Pas la perfection, pas pour avoir le prix Turing, juste l'indispensable à savoir quand on est professeur. De quoi parle-t-on? La définition de Margarida sur ce qu'est l'IA. Que peut-on faire avec l'IA? Que ne doit-on pas faire avec l'IA? Et donc je réponds à une des questions que vous avez vues initialement. Il ne faut pas accepter de répondre à des questions générales du type « qu'est-ce que doivent savoir les élèves sur l'IA ?» On doit répondre en maternelle, à l'école, au collège et au lycée. Et donc il y a des moments où c'est trop tôt. Et la France et le ministère français radient la préconisation de l'UNESCO de ne pas exposer trop tôt les élèves de l'école maternelle et élémentaire, en gros avant 13 ans, à des IA génératives sans le contrôle de l'enseignant pour un projet pédagogique. Pourquoi? Parce que les jeunes publics sont en train de construire leur relation à l'autre, leur altérité, leur propre personnalité, et c'est trop bluffant de croire qu'on parle à quelqu'un d'autre alors qu'il n'y a personne d'autre. Il y a un modèle statistique qui n'a ni pensée, ni relation humaine. Donc il faut qu'on désambiguise des relations humaines avec des machines. Et ça, ça ne peut pas être fait quand il est trop tôt, parce que les jeunes n'ont pas la pensée critique suffisamment développée. En revanche, dès qu'on est au collège, là, il faut passer la deuxième, troisième, quatrième, cinquième vitesse et accélérer, parce que nos élèves, on doit leur donner les clés de l'avenir. Et nous ne connaissons pas les métiers qui seront là dans 5 à 10 ans. Par contre, nos élèves, les jeunes filles et les jeunes garçons, doivent se former sur l'esprit critique, la pensée logique, la pensée algorithmique, la pensée informatique, pour aller vers ces métiers-là. Et je finis juste là-dessus. Le pays et l'Europe a besoin de beaucoup plus de scientifiques, d'informaticiens et de gens qui iront vers l'IA. Et je reprends, a besoin d'immensément plus de femmes qui aillent en sciences, en informatique et en IA. Sinon, on se prive de 50% de l'humanité et on s'expose à des immenses dangers. Un seul chiffre, 15 000 postes en cybersécurité non fournis l'année dernière. Est-ce que les problèmes en cybersécurité vont aller en diminuant dans le pays? Je ne crois pas. On regarde à l'Est, on regarde à l'Ouest et on peut vraiment s'inquiéter. Ok, merci. Axel, Jean peut-être, et après Jean-François, puisqu'on a évoqué le café IA. Mais en effet, finalement, est-ce que c'est... que doivent aujourd'hui comprendre les élèves? Oui, voilà, je préfère répondre à ta question pour l'instant, si ça permet, parce qu'elle est vraiment très importante. Je pense qu'il y a beaucoup de compétences qui doivent être différenciées au fur et à mesure des âges, mais il y a quand même quelque chose de fondamental qui recouvre, je pense, tout ce que vous avez dit et toutes les compétences qu'on doit acquérir et qui est tout au long de notre existence, finalement. Comment est-ce qu'on prête attention à nous-mêmes? C'est-à-dire que demain, en raison des adoptions massives qu'a décrites Jean-François tout à l'heure, il sera très difficile de se détacher de ce réflexe du premier brouillon que l'on va écrire dans ChatGPT et qui finalement sera aussi le produit d'une machine statistique. Donc, que doivent aujourd'hui comprendre, voire maîtriser les élèves et dans quelle finalité? C'est avant tout d'être capable de prêter attention à ce qui vient d'eux et à avoir confiance en eux-mêmes, à valoriser ce qui vient d'eux, à ne pas avoir peur de ce syndrome de la page blanche qui doit être finalement le terrain de leur expression personnelle et à valoriser ce qui viendra d'eux. Ça, je pense que cette estime de l'élève, qui est votre métier finalement, transmettre cette estime, cette capacité à être, elle est plus fondamentale que jamais et elle traverse tous les âges. Si on oublie ça, je pense qu'à ce moment-là, on va se transformer en machine utilisant une machine. Et donc ça, ce qui est vraiment le sens et le cœur du métier de l'enseignant, je crois qu'on doit le garder chevillé au corps. C'est absolument fondamental. Arriver à faire comprendre aussi aux élèves que ce qui a de la valeur, c'est finalement cette capacité à s'interroger, à explorer, à aller à la découverte de l'inconnu, et qu'ils en ont la capacité. Si on oublie ça, si on se considère comme étant seulement des êtres machiniques dotés d'une aptitude à manipuler une machine, on est foutu. Si on se limite à la connaissance actuelle, à cette transmission, à cette ingurgitation, à cette évaluation, à cette dévalorisation de l'élève, on est foutu.
il faut accepter l'idée que ce que l'on a à transmettre demain et ce que doivent comprendre les élèves, c'est cette capacité à explorer l'inconnu, pour reprendre les termes de François Tadei. Je pense que c'est absolument fondamental aujourd'hui et que tout notre système, mais pas seulement éducatif, toute notre société doit être orientée vers ça, vers la valorisation de ce que l'on peut projeter vers l'extérieur à une ère où on va se retrouver bombardé d'informations statistiques en permanence. Merci Jean. Jean-François, il se trouve que vous travaillez aussi sur la question de la littératie en IA et que tu y réfléchis beaucoup depuis plusieurs mois maintenant. Alors, ouais, et peut-être préciser que du coup, le point de départ pour nous, ça a été de nous dire, on nous dit aujourd'hui qu'il y a entre 13 et 16 millions de personnes dites en difficulté avec le numérique, éloignées, peu importe les termes, mais voilà, il y a un certain nombre de millions de personnes qui ont des difficultés avec le numérique. On voit toutes les promesses qu'on nous fait du côté de l'IA, on a dit ok, mais comment on fait en sorte pour que l'IA, notamment générative, soit une réelle opportunité pour réduire les inégalités. Et comment on s'assure en fait que demain, on n'a pas 20 millions de personnes, et notamment des enfants, qui vont être largués avec ces nouvelles technologies, parce qu'on sait. On sait que les inégalités dites numériques, donc dans l'usage, dans la pratique, elles sont liées aux inégalités sociales, économiques et culturelles. Donc ça, ça a été notre point de départ. Du coup, on a interrogé, comme je disais, plein de monde, et je vais revenir rapidement sur différents points qui ressortent de ce rapport qui est en cours. Le premier point, c'est que le monde éducatif nous dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des référentiels de compétences. Et c'est pas l'IA qui vient transformer tout ça, il y a déjà des choses qui existent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on n'a pas besoin de tout réinventer, il faut sans doute les faire évoluer, mais au niveau français, au niveau européen, il y a quand même des choses solides qui existent. Et en fait, là où il va falloir travailler, c'est partager ces référentiels et que tout le monde les partage et qu'on ait une vision commune de ces compétences. La deuxième chose, ce qui paraît peut-être naturel, mais c'est quand même une grande avancée, c'est qu'on nous dit, là, l'enjeu aujourd'hui, ce sont les compétences informationnelles et réflexives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un peu passé du fait de se dire, il y a les compétences fonctionnelles, c'est comment on sert d'un ordinateur, d'une tablette, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde dit, oui, bah, ok, on le sait, sauf qu'il a quand même fallu du chemin, notamment dans le monde éducatif, et il fallait sans doute passer par là pour se dire que l'enjeu, c'est peut-être pas de maîtriser une tablette ou un ordinateur, mais c'est pouvoir, et comme le disait Jean, comme vous l'avez tous dit, pouvoir avoir un point de vue critique dans le monde informationnel qui est celui qu'on partage tous, et notamment les enfants. Et pourquoi? Et ça, c'est deux inquiétudes qui reviennent. Il y a des grosses inquiétudes par rapport à la désinformation pour les enfants et par rapport au deepfake. Les deepfakes, c'est la génération de fausses images, de faux textes, etc. Dans les deepfakes, et je me permets de dire mes notes parce que je l'ai eu, enfin, on m'a partagé une étude hier soir que j'ai regardée dans les transports en commun en venant. C'est une étude de la Fondation pour l'enfance qui est parue récemment et qui dit que 52% des consommateurs de contenu pédopornographique estiment qu'ils pourraient aboutir en fait à une agression du fait de la consommation de ces contenus. Ce qui se passe avec l'IA générative, c'est qu'il y a une augmentation phénoménale de la production de contenu pédocriminel. Et donc, en fait, ce que dit l'étude, c'est que du fait de la génération de faux contenus pour un public criminel, il y a un passage à l'acte qui est potentiellement possible. Alors, il y a peut-être plein de biais, j'ai vu ça, voilà. Et en fait, ça reflète juste, je veux dire, c'est que ça reflète les inquiétudes d'un certain nombre de personnes. Et pour rester sur les enfants, et peut-être sur qui doit désormais développer les compétences, j'ai deux notions. Enfin, un exemple en Suisse, il y a des gens de l'Université de Lausanne, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de l'Université Genève et de Sciences Po, qui ont produit plusieurs rapports qui s'appellent décodage. Le D, il est entre crochets. La Suisse, ça va de 4 ans à 16 ans. C'est-à-dire que dès 4 ans, ils disent en fait, on peut commencer à parler d'algorithmes à des enfants. Bien sûr. Et il y a des choses très intéressantes, donc on n'est pas en train de parler d'écran. Non, on est en train de parler de littératie, ouais. De data literacy, qui sont les bases. Pour que les gens comprennent, peut-être, le jeu de la grue, il y en a plein, mais il y a le jeu de la grue qui dit, en gros, vous avez trois coupelles, dans le coupelle, vous avez un cube, et en fait, là où le professeur dit à l'enfant, tu vas lever ton bras, tu vas avancer ton bras, tu vas baisser ton bras, tu vas pincer, tu vas prendre le cube, etc., et tu vas déposer. Bah, ça, c'est quoi? C'est une suite d'instructions, c'est en soi un algorithme. Et donc, petit à petit, à petite dose, comme tu disais, à partir de certaines heures, on peut avancer. Pourquoi c'est important de faire ça très tôt? Parce que, et là, je reprends un terme de Daniel Handler. Daniel Handler, c'est un philosophe et un mathématicien
arrêtez d'acheter des livres, achetez le sien. Ça s'appelle Intelligence artificielle, intelligence humaine, double énigme. Sincèrement, voilà, c'est un très très bon livre, on a eu la chance de le recevoir récemment. Lui, il parle du bilinguisme numérique, c'est-à-dire qu'il faut apprendre autant à se saisir de ces outils numériques de l'IA que de s'en séparer, que de ne pas l'utiliser. Mais pour ne pas l'utiliser, il faut les comprendre et donc faire le choix de ne pas l'utiliser également. Parce que ça, un jour, ça ne marche plus, parce que, etc., etc. Donc ça me paraît voilà, très très important de pouvoir aller. Là, c'est tout. Axel, tu voulais faire un petit complément et on passera à la question d'après. Sur l'objet technologique, en fait, on a affaire à un pharmacon. L'objet agent ou IA générative, en fait, il peut le meilleur et il peut le pire. Il peut vraiment le pire et le meilleur. Donc, à nous d'éduquer suffisamment les élèves pour qu'ils en fassent un usage au service des humains, comme je te rejoins parfaitement sur le fait de dire, bien sûr, une IA au service des humains, et la chaîne de valeur est claire, l'humain en tue. La machine sert l'humain. Et ne surtout pas faire des humains, des opérateurs d'une machine IA, voire plus d'humains du tout. Par exemple, donc, nous, au ministère, quand on travaille sur des sujets autour d'une assistante basée sur IA, c'est jamais pour faire la place en le prof. L'expert pédagogique, zéro doute, c'est l'humain. Parce que l'humain apprend mieux au contact d'autres humains. Et après, quand il a appris à apprendre, il peut apprendre tout seul face à des machines, pourquoi pas. Mais il y a différents âges pour ça. Mais gardez en tête qu'on a un objet qui, en lui-même, n'a pas d'intention initiale. Malheureusement, on est dans un monde où il n'y a pas que de démocratie. Le nombre de démocraties ne va pas en croissant, le nombre d'autocraties va en croissant. L'enjeu des démocraties, c'est d'éduquer suffisamment nos professeurs et les élèves pour leur donner les clés de l'avenir. Parce que si ça n'est pas fait à l'école, je réponds tout de suite, ça ne peut pas être fait dans le cercle familial, ça ne suffit pas. Parce que les parents sont en très grande difficulté devant les évolutions technologiques qui les dépassent aussi. Je ne dis pas que les profs ne sont pas dépassés, on l'est parfois, mais nous on peut se former. Et on doit se former, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Les industriels adressent nos enfants, les élèves en permanence, parce que ce sont des consommateurs. Pas trop de problèmes avec le fait d'avoir des consommateurs. Nous, on exige d'avoir une surcouche de citoyens. Et après, ils feront des choix éclairés, libres. C'est difficile, mais vraiment, c'est l'enjeu pour nous. Donc, un pharmacon dont on doit se débrouiller pour tirer vers le haut avec de la culture et donc éduquer. C'est un long cheminement à faire. Le problème, c'est qu'on est impacté sur un temps très, très concentré. Donc, c'est vrai que je disais faire feu de tout bois pour tous les vecteurs de formation. Du coup, évidemment, j'ai envie de poser la question de qu'est-ce que doivent réussir en effet à faire les enseignants, et on parle de quels enseignants face au développement de l'IA, sachant que je le redis 3%. Hein. Margarida. Oui, on avait déjà bataillé aux états généraux du numérique pour avoir un peu plus de temps assuré de formation pour les enseignants, et ça reste, je pense, ça reste un enjeu. De faire que ça soit un élément qui fasse même partie des concours, peut-être à un moment donné, parce que les nerfs de la guerre, ça reste les concours. Donc, à les moments où il y aura une évaluation des compétences numériques ou des produits faits, des activités réalisées avec le numérique de manière pertinente dans les concours, on peut espérer que les maquettes, donc la formation des enseignants suivent. Mais en attendant, il y a quand même beaucoup d'opportunités, et en fait, un élément sur lequel on essaie toujours de travailler, c'est de voir les marges sur lesquelles on peut agir. Et ces marges, elles sont énormes, parce qu'il y a énormément d'acteurs et des ressources qui sont disponibles. Et peut-être un point pour complémenter les éléments sur qu'est-ce qu'il faut comprendre. Je pense qu'un élément qui change tout, c'est la production de la connaissance. Auparavant, on pouvait aller à l'école et aussi bien les enseignants que les élèves savaient que les manuels et toutes les informations qui étaient là-dedans étaient quand même éditées et de qualité. Aujourd'hui, aussi bien les enseignants qu'un citoyen lambda ou un citoyen éclairé, on a fait des tests avec des images qui étaient générées par IA, quelle était l'image réelle. On commence à avoir beaucoup de doutes. Et même sur des images qui représentent des faits historiques dans lesquels on peut arriver à générer des éléments que même des personnes qui ont des connaissances disciplinaires ont des doutes. Donc on est obligé d'avoir aussi ces compétences métacognitives qui est celle de comprendre comment les humains génèrent la connaissance pour que face par exemple à l'image, on soit capable de faire la démarche
de la démarche de comprendre comment cette image a été générée ou de comprendre comment un texte a été généré, de savoir chercher les sources d'information, de faire tout un travail qui auparavant n'était peut-être pas nécessaire parce qu'on pouvait avoir confiance dans l'ensemble des choses qui nous arrivaient. Aujourd'hui, on doit former à la génération des connaissances, à la démarche scientifique, et à tous les processus passés historiques, donc comment l'histoire elle est construite à partir des évidences historiques et qu'est-ce qui est une bonne démarche et qu'est-ce qui n'est pas une bonne démarche, tous ces aspects de comment construire la connaissance qu'on considère comme étant l'état de l'art dans les différentes disciplines devient un enjeu clé, pas uniquement pour les enseignants, parce qu'ils doivent pouvoir vérifier aussi eux-mêmes les sources, que pour les élèves au moment de produire les différents travaux et contenus. Alors du coup, évidemment, moi je suis quand même... quand on voit comment s'est passé le développement des compétences des enseignants pour qu'eux-mêmes réussissent à développer les compétences numériques des élèves, voire simplement à développer leurs propres compétences pour pouvoir aussi travailler différemment, générer des cours, se saisir par exemple du potentiel du numérique aussi pour eux. Moi je retiens quand même, globalement en tout cas sur les enseignants du premier degré, c'est assez manifeste, la peur. C'est la peur qui ils sont terrifiés par ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que du coup on peut... est-ce qu'il faut qu'ils restent apeurés? Ou est-ce que la peur est mauvaise conseillère? Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait aussi des craintes légitimes qu'ils ressentent? Et comment est-ce qu'on peut les aider du coup à être plus en maîtrise à un moment donné de ce qui se passe? Peut-être Jean, t'as peut-être un truc à dire là-dessus. Oui, et encore une fois, pour être très scolaire, vraiment aux questions que tu poses, je pense qu'ils sont fondamentales. Il y a une compréhension de ce que fait le lien technique dans la société, qui est potentiellement un lien qui nous divise à l'intérieur de nous-mêmes, qui crée une forme d'automatisation aussi de nos êtres. Et il est fondamental, je pense, s'il y a une chose à comprendre, de comprendre que partout où il y a un lien technologique, il faut redoubler de lien social. Donc la question vraiment méta pour moi à se poser, c'est que je suis en présence d'un outil technologique, comment je vais faire pour redoubler de lien social en présence de ce lien technologique? Ça, c'est vraiment la première chose. Et c'est pour ça qu'on m'a lancé Caféia. C'est pour se dire, en réalité, on a un objet technologique qui va être là. Qui va être là, qu'on le refuse ou non, dans notre société, il sera là. À partir de ce moment-là, comment on fait pour redoubler de lien social? Comment est-ce qu'on fait pour s'en parler, pour se poser les questions, pour apprendre ensemble, pour combattre nos peurs, qui peuvent être tout à fait raisonnables en réalité, en se mettant ensemble autour de la table, tout simplement. Accepter de se poser les questions aussi à soi, qu'on soit enseignant, manager, dirigeant, accepter cette marge d'incertitude, accepter aussi que c'est de la discussion collective que beaucoup de réponses vont venir, que beaucoup de choix vont être opérés. Et finalement, là où on a des technologies qui peuvent fracturer notre tissu démocratique, notre proposition à travers Caféia, qui peut être un nom un petit peu comme ça, convivial, etc., en réalité, c'est de redoubler de liens de démocratie de proximité. Ça veut dire penser la démocratie dans la classe, penser la démocratie dans l'école, penser la démocratie dans les entreprises, à l'échelle du téléphone, à l'échelle de l'agent conversationnel, c'est-à-dire au plus proche de nous, dans notre relation intime, presque. Donc, mon seul encouragement, finalement, est de croire en notre capacité, qu'on soit enseignant ou autre, finalement, peu importe, notre capacité d'aborder ces questions collectivement, même et surtout sans savoir. Ça, c'est absolument fondamental. Accepter de prendre ce temps, peut-être sur un temps d'enseignement, peut-être sur un temps de production dans une entreprise, parce qu'à la fin, on y gagnera. Quand on a des applications qui sont proposées aux parents, sans cet accompagnement, on crée des dissonances qui sont beaucoup trop importantes. Il faut pouvoir les mettre autour de la table et créer ces espaces-là. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué. C'est 6 chaises, 10 chaises, 12 chaises, une table, et on se pose et on se parle 3 quarts d'heure. Rien que ça, c'est vraiment fondamental. Axel. Alors, je te rejoins pleinement et je dis souvent la chose suivante quand j'interviens, c'est pas confortable, il nous faut accepter d'agir en zone d'incertitude, en zone grise.
parce que c'est pas documenté ce que nous devons traverser là en termes d'impact systémique sur les formations. Pour répondre à la question, il est indispensable que les professeurs, les chefs d'établissement, les formateurs, les inspecteurs aient un bagage minimum, donc il ne s'agit pas de maîtriser, on n'en est pas là, ils soient initiés au sujet de l'IA, définir correctement la chose, l'objet, décision, Margarita et son équipe le fait parfaitement bien, on pose les éléments et on explore le champ des possibles et le champ du souhaitable. Ce n'est pas la même chose. Certains cherchent à nous survendre l'IA sans humain, ou de l'humain revisité, etc. etc. Ce n'est pas nos choix démocratiques, en fait. Mais ce bagage minimum n'est pas très coûteux en temps. Et au lieu de viser la perfection du « ils vont tous avoir le prix Turing en éducation par rapport à l'IA, c'est impossible », il faudrait qu'on se définisse quel est le bagage minimum indispensable. Il se trouve que les Européens ont un DIGCOM au niveau européen, donc Digital Competencies, qui sont listés. Ils sont en train de revisiter pour le muscler sur la partie IA parce qu'on ne peut pas faire cette économie-là en termes de littératie. La littératie, maintenant, elle est irriguée par l'IA parce que l'IA est partout. Donc vraiment, l'idée, c'est accepter de s'initier, accepter de prendre un temps sur soi et honnêtement, soyons très clairs, il y aura des formations entre guillemets descendantes. Nous, au ministère, on a porté ce que j'ai ici, là, la CREIA, Communauté de réflexion en éducation sur l'IA. C'est un espace qui était ouvert l'année dernière à l'ensemble des formateurs de France et qui, depuis septembre, est ouvert sur l'espace magistère à l'ensemble des professeurs de France. Qu'est-ce qui s'y passe? Le ministère anime des activités, les académies animent des propositions, les chercheurs viennent et les profs posent des questions de professeurs auxquelles d'autres professeurs viennent dire ben « Moi, en langue vivante, en cinquième, je m'en sers comme ça, et toi, et toi, et toi. » Donc, on a des échanges entre pairs dans cette zone grise où on est encore en terre incognitia, si on veut, mais on l'accepte. C'est-à-dire, la réponse parfaite n'existe pas, et il faut juste, ce qui n'est pas le commun dans un ministère, d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Mais si on doit envoyer un signal, c'est que les professeurs sont les mieux, sont sur la ligne de front d'un siècle qui bascule, et s'ils n'occupent pas cette ligne de front avec un petit bagage, alors personne ne le fera, et à très court terme, on aura des très grands enjeux démocratiques, mais vraiment à très très court terme. Donc, vraiment, pour répondre, c'est s'initier, maîtriser, ça viendra plus tard. On aura toujours des gens qui maîtrisent, mais là, il faut faire du systémique, donc il faut s'initier. Et donc, tout petit bagage de formation, ce que font parfaitement les chercheurs, ce que fait parfaitement INRIA aussi, Oudéier et Roy a publié un joli livre qui s'appelle « C'est pas moi, c'est l'IA » pour les lycéens. Moi, si j'avais la possibilité, je confierais ça à tout jeune professeur dans son bagage initial, lecture obligatoire. Parce que j'y ai appris plein de choses, en français, facile à lire et à comprendre. Faisons-en un commun. Il faut en parler avec Thierry Coudélier et voilà, je disais, pas d'énergie. Mais c'est juste, non, mais c'est juste simple, il faut dire les choses simplement, avec une autorité scientifique derrière, j'insiste. Je ne dis pas de simplifier et de faire du simplisme. C'est complexe clair. Et c'est une zone d'incertitude pendant quelques temps encore. Mais en tout cas, dire aux professeurs, formez-vous, informez-vous, lisez, cultivez-vous, ce bagage minimum fera une immense différence au final. Et vos élèves, parfois, je finis juste sur un petit exemple, les Finlandais pratiquent la classe avec des élèves qu'on appelle des super agents, donc des élèves qui disent « moi je suis super à l'aise avec les IA génératives », ils se signalent à leur chef d'établissement, et quand le prof démarre son cours, il dit « où sont mes super agents dans la classe ?», ils lèvent le doigt et ils viennent co-animer avec la classe pour la partie technologique. C'est juste génial en termes d'inversion et de co-apprentissage et de montrer à la jeune génération qu'elle a les clés de l'avenir entre ses mains et le professeur est juste renforcé par l'assistance de son élève. Et évidemment, le prof a la perspective de l'enjeu de programme, etc. C'est à nous peut-être de changer de la classe du 19e siècle, la frontale, qui ne marchera pas bien avec notre génération et de repenser l'espace de la classe, le temps de la classe, la modalité d'apprentissage. Mais très clairement, il faut qu'on bascule d'une évaluation, c'est toi qui l'as évoqué, je crois. Si on continue à évaluer le produit, on se condamne à évaluer l'IA générative. Il faut qu'on passe sur une bascule d'évaluation par le processus. Donc, Cao et Ded, deux chercheurs d'Harvard, ont publié un article, peut-être le meilleur article de l'année, sur comment on doit arrêter d'évaluer le produit, ce qu'on fait beaucoup tous trop, et qu'on évalue le processus. C'est simple à dire, c'est extrêmement complexe à réaliser. Mais si on ne fait pas l'IA générative, on est foutu parce qu'on évaluera l'IA générative. Jean-François. Ouais, peut-être pour compléter rapidement, je rejoins assez tout ce qui a été dit, donc je ne vais pas revenir sur les compétences spécifiques des enseignants. Ce qu'on nous dit aussi, c'est effectivement le socle commun, sensibilisation, etc. On va aller sur des sujets un peu plus délicats, comme la pédopornographie, par exemple, ou d'autres sujets plus techniques. On nous dit, mais est-ce que c'est à nous, enseignants, de le faire? Il y a des associations, il y a des acteurs du territoire qui peuvent venir dans les classes. Il y a des conseillers numériques. Il y a les conseillers numériques, j'allais y venir. Puisqu'effectivement, et je vous
vous invite à lire un autre très bon rapport qui est l'Observatoire de l'inclusion numérique. Puisqu'il y a des enseignants, et là je me permets de décaler un peu le sujet très rapidement, mais l'éducation c'est pas qu'à l'école. Alors on le sait peut-être tous, mais en fait le fait de poser ces questions-là, faudrait pas qu'on s'enferme dedans. Donc il y a une partie des enfants qui ne vont pas à l'école, pour X raisons, mais c'est aussi une éducation qui se fait à côté, donc, notamment avec les familles, il va pas falloir l'oublier, j'ai parlé trop longuement dessus, mais quand même. Et donc ça peut se faire dans des lieux de médiation, des lieux d'inclusion, dans les CAF, etc. Je vais juste revenir, parce que c'est la deuxième, j'ai eu des transports en commun ce matin, la deuxième étude qu'on m'a envoyée ce matin, et en fait je pense qu'il y a un point très important qui moi me ramenait aux réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux sont sortis, on était beaucoup, moi je commençais la recherche, à être un peu, on avait peur, on se disait, mais qu'est-ce que les enfants, ils vont être perdus, ils vont donner toutes leurs données, ils vont pas savoir, ils vont se retrouver à poil sur les réseaux, etc. Puis en fait, comme à chaque fois, on fait des recherches, on attend un peu, puis on se rend compte que les enfants, ils savaient bien mieux gérer que ce qu'on pensait leur vie privée en ligne. Il y a une étude qui est sortie récemment, Youth AI, et qui a été faite par YouGov, sur 1017 Américains entre 13 et 18 ans. Donc, ok, usage massif, un enfant sur deux qui utilise l'IA générative. Ce que nous dit l'étude, c'est qu'en fait, ces enfants ne sont pas du tout optimistes par rapport à l'IA. Ils ne sont pas du tout optimistes. Il y en a 80% qui pensent même, alors je ne sais pas comment était tourné le formulaire, qui pensent que les juristes vont avoir un rôle très important dans l'IA pour dire ce qui peut être fait, pas fait. C'est quand même assez impressionnant, entre 13 et 18 ans. Il y a une préoccupation énorme sur les enjeux climatiques. Il y a une préoccupation de 60% sur la désinformation. Je ne vais pas aller plus loin. Mais on a. Là, c'est aussi le regard de l'enseignant, c'est ce que je dis aussi, mais c'est sur les enfants et sur la connaissance qu'eux-mêmes vont avoir. Donc, il y a cet effet miroir toujours aussi de se dire certes, tout ce qu'on vient de dire est valable, mais regardons aussi les gens qu'on a en face qui vont avoir une maîtrise bien plus approfondie que nous, adultes. Et de manière très rapide. Et ça me permet de revenir sur la question des usages. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas. On est quand même parti dans un grand délire. Faut être assez sérieux. Mais attendons de voir. Je veux dire, les usages prescrits du métavers, on les a eus. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur la question. C'est toujours la même histoire. On va en parler dans 5 ans. Mais entre les usages prescrits et les usages effectifs, il y a une vraie différence. Donc attendons de voir un peu comment ça se profile. Voilà. Je vais prendre la session. Axel veut commenter. Parce que c'est effectivement, le Sénat a publié le 30 octobre un rapport IA générative et éducation. On avait été auditionné des chercheurs, des ministères, et dans leur publication, ils indiquent bien qu'on a, au niveau du lycée, 80% des élèves qui déclarent utiliser des IA génératives. 8% des professeurs déclarent utiliser des IA génératives pour eux. Je ne parle même pas pour le geste professionnel, hein, là, je parle pour eux. Donc vous voyez, là, il y a un petit décalage qu'il faut combler, et peut-être que faire parler les générations vieille lubie mais très intéressante permettrait d'amorcer et donc des espaces de médiation comme les cafés IA s'y prêtent particulièrement bien. Donc l'école peut aussi être le lieu où on ouvre vers les parents aussi et on dit voilà comment on a une charte d'usage des IA, voilà comment on s'en sert, parce qu'il faut parler ces objets-là. Le pire serait de ne pas le voir, de ne pas le regarder, de faire comme si tout allait passer tout seul. On a besoin d'en parler et plus on en parlera au cœur de la société, l'école est un bon vecteur pour ça, le café IA aussi. Vraiment, on a besoin de faire se parler, que les générations se parlent, en fait. Voilà, quel partage. Margarida, en complément, et après, j'aurai un mini-exercice à vous faire avant de donner la parole à la salle. Très brièvement, en fait, ces côtés de donner la parole aux élèves, nous, on apprend énormément de nos étudiants. Et on invite également les enseignants à ne pas mettre tout sur les épaules. En fait, au lieu de faire nous-mêmes les choix, parfois, des outils, c'est également quelque chose d'intéressant de faire la démarche guidée en classe, de montrer également la résolution de problèmes en classe, etc. Donc, il s'agit pour nous, en tant qu'enseignants, de se dire qu'en fait, on est des modèles, donc on fait du modélage quand on est en train d'enseigner. Et donc, pour un enseignant, on ne s'attend pas que l'enseignant sache tout. On s'attend que l'enseignant fasse à quelque chose qui est problématique ou qui peut être détourné. Par exemple, la génération d'images a été détournée par des élèves au collège pour générer des deepfakes pornographiques sur des élèves. Que les enseignants puissent guider ce processus. Et cette démarche de « on est en train d'aborder quelque chose de nouveau, mais on le fait ensemble », c'est un peu comme si on découvrait une nouvelle planète. Et au lieu de se dire qu'on ne va pas y aller parce qu'on ne connaît pas tout, c'est montrer également la démarche d'exploration. Donc, dans ce sens-là, un enseignant, c'est un guide
c'est quelqu'un qui a la connaissance disciplinaire, qui a les valeurs, qui a les principes éthiques et qui est capable d'accompagner les enseignants dans cette exploration-là, même si l'enseignant n'y connaît pas tout. C'est l'occasion de relire Jacques Rancière et Le Maître Ignorant pour se rappeler qu'en fait, être enseignant, c'est aussi accompagner l'incertitude sans forcément maîtriser les thématiques. Je voulais te proposer un petit exercice très rapide, alors vous avez le droit à une phrase. Hein. Nous sommes en 2030, non, on va dire 2035, je suis un peu optimiste. L'IA s'est généralisée dans la vie numérique des Français et des Françaises et ne pose plus du tout de difficultés. D'après vous, comment en sommes-nous arrivés là ? En une phrase, qu'est-ce qu'on a mis en place qui a changé, qui a retourné la table ? Jean-François. Ouais, je vais faire un peu plus qu'une phrase, mais... Personne ne m'écoute le dans premier cette point, bah, tu changes la règle, on est en 2030, tu dis 2035. moi, il y a un élément fondamental, c'est que les parlementaires qui nous représentent, ils ont à la fois compris que le numérique, c'est pas simplement un outil pour lever des licornes, que c'est pas simplement un outil de levier économique et de compétitivité, son état, mais pas seulement, et que c'est pas simplement un levier de performance dans nos administrations. À partir du moment, parce qu'aujourd'hui, on se dit, il y a 5 députés et 5 sénateurs ou sénatrices qui comprennent les enjeux du numérique. Donc, on a la liste, hein, d'ailleurs. On a la liste. On la tient à votre disposition, si ça vous intéresse. Et donc, merci à eux de faire, mais il faut être très clair. Je veux dire, si on revient sur le fait que c'est un enjeu de société, il y a un moment, il va falloir que les gens qui nous représentent se saisissent de ce sujet-là et en fassent autre chose que ce que je viens de dire. On fait des progrès, ça avance, mais on est face à quelque chose qui demande de se réinventer. Du coup, ça pose la question de comment on prend le temps et à quels moyens on le fait. Parce qu'en fait, nous, les gens qu'on rencontre, ils savent tout ce qu'on vient de se dire, qu'il faut qu'ils se forment, qu'il faut qu'ils s'en emparent, etc. Sauf que moi, les gens que je rencontre, je suis pas sûr qu'ils bossent que 24 heures par semaine et 6 mois par mois. Et les gens qu'on a eus bossent, je pense, un peu plus que ça. Et du coup, ils nous disent comment on fait. On est un des pays d'Europe, me semble-t-il, je suis pas expert sur la question, mais qu'avant, les programmes scolaires les plus chargés. On fait démarrer les gamins plutôt que dans d'autres pays. Donc, il y a un moment, si vraiment c'est un sujet de société, si vraiment on veut former les adultes et les citoyens de demain, bah, va peut-être falloir enlever des choses qu'on apprend aujourd'hui. Alors, ouais, ça irrite, ça fait mal de dire on va enlever 2 heures de français, 2 heures d'histoire, 2 heures de maths. Je n'ai pas la solution. Ça fait très mal de dire ça, mais à un moment, soit on charge plus la barre, soit on enlève pour mettre ça à la place. Okay. Et ça demande un débat de société. Ce n'est pas aux parlementaires qui ne comprennent pas ce sujet de décider pour nous, donc ça demande un grand débat de société. Avec tous les acteurs impliqués donc, pour décider. En 2030, tout va plutôt mieux parce qu'on a eu ce grand débat et qu'on a pris des décisions collectives. Et que dans la semaine, ils ont réussi à trouver des milliards qui n'ont pas. bien sûr, ça. Évidemment. Axel, une phrase, on essaye. En une phrase, j'essaye. Peut-être que la solution viendra au niveau européen parce que l'Europe a des milliards qui nous manquent parfois et que c'est la bonne échelle pour prendre des bonnes décisions, pour développer des modèles qui pourraient être basés sur une souveraineté. On a les compétences scientifiques, industrielles, culturelles. Pour construire ces modèles fondation, on prend un peu de temps, lire le rapport de Draghi, qui incite vraiment à se bouger, et on aurait réussi, pour résumer, parce qu'on aurait suffisamment formé nos cadres, okay. Qui nous permettraient ensuite de savoir comment on s'aborde. Et quand je dis cadre, je vais jusqu'aux décideurs politiques, qui comprendraient comment on parle, et parce qu'ils sont suffisamment conseillés scientifiquement pour prendre des décisions qui permettent d'entrer dans ce siècle. Ok. Jean, et je laisserai le mot de la fin à Margarita. D'ici 2030, avec un calcul de points de table, on a organisé 1000 cafés IA par jour en France. Voilà. On a pris le temps de se parler et de savoir aussi que les ressorts de notre exploration sont autour de nous, de pair à pair, et que l'on va accepter notre ignorance, mais aussi notre aptitude à apprendre et avancer ensemble. C'est tout ce que Café IA veut dire. Et est-ce que les cafés IA ont permis du coup de modifier la manière dont on fait de l'IA dans ce pays, du coup? Alors, est-ce déjà, que ça remonte, tu vois ? Déjà, le fait même de dire que l'on va associer à cette diffusion technologique que l'on n'a pas forcément choisi cet espace de choix et de parole est déjà un changement en soi. Je pense par rapport à d'autres propos politiques que l'on a pu avoir par le passé sur notre rapport à la technologie. Donc déjà, je crois que le changement, en réalité, il est déjà inséminé ici, maintenant, en 2024. À nous, maintenant, en réalité, sur tous les lieux où déjà, par exemple, il y a eu 100 de cafés IA depuis le début de la France, et c'est un dispositif qui déjà aujourd'hui a touché 85 départements sur 96 en métropole, donc que partout, littéralement en France,
on se dise que ce ressort face à la technologie, il nous appartient. Et ça, je pense que c'est le principal des changements en réalité. Ok. Margarida, comment on est hyper bien sur la question d'IA en 2030? Oui, je pense aussi que ça passe par la collaboration européenne. Donc, on doit se doter d'infrastructures et services qui soient sécuritaires en éducation et ça passe par la collaboration. Et d'autre part, on change aussi quelques éléments de mentalité au niveau de la formation pour se dire qu'on est tous des apprenants et qu'on doit tous explorer ces nouveaux mondes, ces nouvelles pratiques et aussi apprendre un peu plus de nos élèves et de nos étudiants. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment des questions. On reviendra peut-être sur les ressources à la fin, je vous avais identifié. Et il y a des questions, je sais, tu t'en occupes, Damien ? Merci beaucoup. Alors, une question ici. Oui, bonjour, Pierre Bosch, Université de Rennes. Je voulais plus qu'une question rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que là où on met de la tech, il faut mettre du lien social. Je signe tout ce que vous voulez là-dessus. Et je pense que c'est particulièrement vrai avec les IA génératives, parce que moi je constate que c'est un outil qui va rendre les bons étudiants encore meilleurs, mais qui va rendre les étudiants faibles encore plus faibles en les enfermant dans des pièges, le piège du copier-coller. On devrait expliquer aux étudiants, aux élèves, à tout le monde, que ça sert à rien de prompter une IA si on ne sait pas évaluer les résultats. Et si on s'en sert comme d'une machine à nous remplacer, il va nous arriver qu'on sera remplacé. Mais donc du coup, il y a besoin de lien social pour accompagner ça et ne pas oublier que c'est des choses qui peuvent enfermer les plus faibles dans des difficultés encore plus grandes. Un commentaire peut-être ? Un commentaire très rapide. C'est possible, ce que vous décrivez, et au contraire, un élève en grande difficulté, pour une fois, peut avoir une assistance par un système basé sur de l'IA, parce qu'il peut avoir cette assistance qui n'aurait ni de ses parents, ni du professeur particulier, et cette adaptation qui serait redire le cours, réexpliquer quelque chose, trouver un autre chemin de traverse pourrait être une aide extrêmement précieuse. Je prends ce point-là parce que c'est le sujet de la triche qui est souvent évoqué autour des IA génératives. Que n'a-t-on eu ces précautions avant les IA génératives quand il y avait déjà les profs particuliers, les parents qui pouvaient aider, etc. Je prends l'exemple vraiment clair, on ne l'a pas dit et je m'en voudrais de ne pas l'avoir évoqué. Pour les élèves en situation de handicap, les élèves à besoins particuliers, les IA génératives à la volée peuvent adapter les contenus visuellement, textuellement, pour leurs besoins spécifiques. Ce n'est pas que le professeur ne sache pas le faire, c'est extrêmement complexe de le faire devant la diversité des élèves. Donc les IA génératives sont peut-être la meilleure chance d'adapter des contenus pour les élèves à besoins particuliers. Et je prends le cas le plus dur, la déficience intellectuelle. Vous avez un texte, vous devez travailler la Révolution française, etc. Le prof, c'est compliqué d'adapter le contenu par rapport à un déficient intellectuel. Il va donner le support et il va dire « Rédige-le en français, facile à lire et à comprendre, et en quelques secondes, ce sera fait. » Donc, le pire est possible, mais le meilleur aussi, le pharmacon et le prof, il est là pour prendre de tout objet, en faire le mieux possible pour l'humanité. C'est vraiment notre rôle. Jean-François. Ouais, très rapidement. Moi, je suis un peu plus mesuré et je suis assez en lien, parce que c'est notre point de départ, sur les inégalités. Quand vous avez un capital culturel, social, économique différent, avec des outils d'IA générative, effectivement, ça va être une aide et il faut être très prudent sur le contexte dans lequel on parle, parce que c'est vraiment, si vous prenez un outil de création, si vous ne savez pas faire une phrase, vous allez avoir une image qui va se générer. C'est génial pour la personne qui n'a jamais généré des images et ça va lui permettre de faire ça. Mais face à quelqu'un qui sait prompter, qui va savoir s'exprimer, qui sait approprier le langage du prompt, et puis on ne prompte pas pareil sur toutes les solutions d'IA, et ben vu que ça va très vite, il y a quand même un risque que toujours les mêmes s'approprient plus vite ces outils. Donc oui, ça peut être une aide, mais effectivement, de notre point de vue, dans l'étude qu'on est en train de faire, gros risque effectivement de décrochage et d'inégalité renforcée de son niveau. Charles. Le risque qui est pointé est tout à fait dans la continuité de ce qu'on a constaté dans le baromètre du numérique, c'est-à-dire que à 75% le numérique va simplifier la vie des plus diplômés, à 75% il va compliquer la vie des moins diplômés. Il faut se rendre compte de ce cadre systémique, et c'est ce retour sur soi, je crois, auquel vous appelez aussi, qui est de dire, une personne qui est en situation particulièrement aisée va avoir une relation à l'administration qui peut potentiellement, je ne voudrais pas trop généraliser, mais être beaucoup plus facile qu'une personne qui est en situation de précarité. Donc si on ne touche pas à ce cadre général dans lequel s'inscrit la technologie, très clairement aussi, on se retrouve avec une fracture qui va être béante. Donc profitons de ce moment, en effet, pour avoir ce moment de retour sur soi,
dans notre relation à l'administration, dans notre relation à l'autre, et serrons-nous les coudes, mais vraiment plus que jamais, quoi. En période de turbulence, on entend « brace, brace » dans l'avion. Là, c'est vraiment se serrer les coudes. C'est un message social fondamental. Une autre question, je crois. Bonjour, Axel Enkins, Learning Robot. Je vais juste apporter un témoignage. On a démarré il y a 4 ans à former des élèves de classe de techno, des élèves de NSI, de SI, de STI2D à l'IA avec des algorithmes et réseaux de neurones. Et on voit en fait le besoin se déporter actuellement vers l'université, notamment les élèves d'école de commerce, les élèves d'école de lettres, donc de fac de lettres, université Sorbonne Nouvelle, qui ont besoin d'acculturer à l'IA leurs étudiants non scientifiques et spécialement autour des IA génératives. Et on a également la même problématique autour des cadres d'entreprise qui ont à lancer des projets d'IA et qui n'ont pas le cursus minimum pour pouvoir le faire. Et voilà, pour nous, c'est une ouverture vers des choses complètement nouvelles qui, bien sûr, nous font plaisir. Donc, ça veut bien dire que c'est possible. Une autre question, je crois. Oui, bonjour, Catherine de Vulpilier, Olivier Boncelet. Il y a un sujet qui n'a pas été tellement abordé, même si vous l'avez mentionné à un moment donné, c'est le coût économique et environnemental, oui, absolument, des IA génératives. Est-ce que ça fait partie des plans, justement, de littératie, d'éduquer les élèves et les enseignants à ce que coûte un geste, comme faire une multiplication sur ChatGPT? Alors, il y a bien d'autres moyens moins coûteux. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de ne plus parler de l'IA comme s'il y avait une seule technique d'IA? Daniel Andler, qui est notre associé structuré dans ce par des systèmes d'IA. Et donc, voilà, comment éduquer aussi à cette multiplicité des techniques? Axel, en synthétique. Effectivement, c'est une très bonne question. On dit la chose suivante. Il nous faut accepter d'avoir un mix dit de nature d'IA. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir un dernier cri pour faire un calcul 2 plus 2. C'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir une IA générative pour ça. Donc, du vieux système expert, des good old fashioned AI, donc système expert jusqu'aux IA génératives, on prend toute la palette des possibles au service des professeurs pour mieux enseigner et pour mieux apprendre. Mais très clairement, bien sûr que ça a un impact environnemental extrêmement fort. Avec INRIA, la direction numérique pour l'éducation avait développé un MOOC sur France Université Numérique qui s'appelait Impact Num. Et sur ce MOOC, on liste les bonnes pratiques, les bons usages. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'on a besoin d'une IA générative pour faire un petit chaton sur l'épaule de mamie? Ben, la réponse est non. Et ça, il faut qu'on en parle à l'école. Voilà, c'est très très clair. Il y a des usages récréatifs qui n'apportent rien sur l'intelligence humaine. Et peut-être que c'est à nous de se dire, attention, la planète brûle. Bon, je vais citer un grand ancien président, mais je veux dire, voilà, très très clairement, oui, il faut être raisonnable dans nos usages. Et donc, des fois, ça a un atout. Déplier des protéines pour trouver des médicaments et avoir des jeunes filles qui travaillent dans ces milieux-là, c'est cohérent. Prix Nobel attribué en octobre en chimie. Contribuer à une meilleure santé, à une meilleure société, ça c'est cohérent. Résoudre des problèmes climatologiques avec des grands modèles de climatologie, ça c'est utile. Faire des chatons, et non, ça c'est pas utile du tout, donc effectivement il faut être raisonnable. Jean-François. 100% d'accord. Je vais prendre un terme de Dominique Boulier, qui est un sociologue et qui a contribué à l'étude que je mentionne, enfin pas l'étude au livrable sur la pédagogie et l'IA en Suisse. Dominique Boulier, ça fait 30 ou 40 ans, sans trop le vieillir, qui parle de pluralisme, donc il faut éduquer au pluralisme. Voilà, pour vous indiquer au fait de pouvoir faire des choix, le revers, c'est que pour pouvoir faire des choix, faut, si on reste dans l'éducation nationale, il faut qu'elle puisse même elle-même proposer des choix dans les solutions qu'elle a. Très simplement. Jean. Que l'espace de dialogue soit aussi un espace d'interrogation. Le premier conseil du référentiel sur l'IA frugale de l'AFNOR, c'est « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?». Donc je pense que c'est aussi ça qui a changé, c'est qu'on n'est pas dans une logique d'adoption forcée où voilà, il y aurait deux pans de la société qui s'opposeraient. Non, pas du tout. Le premier conseil de l'AFNOR, c'est est-ce que j'en ai besoin? Et donc pour faire ce choix, encore faut-il avoir recours à une modalité de démocratie de proximité et de mise en discussion. Et généralement, en fait, la discussion, elle apporte les réponses sur son besoin propre, amène à mieux le formuler peut-être et amène à d'autres solutions potentiellement que la technologie en elle-même. Margarida. En fait, nous, la question qu'on pose pour les enseignants, c'est quelle est la plus-value pédagogique du numérique? Donc, ça ne s'applique pas qu'à l'IA, ça s'applique à n'importe quelle technologie. Et donc, s'il n'y en a pas, on ne l'utilise pas, tout simplement. C'est, en fait, on invite vraiment à réfléchir quels sont les usages qui apportent vraiment de la plus-value. À l'occasion du numérique en commun, on avait croisé Benjamin Gage, qui est le directeur de recherche du laboratoire IA, INRIA, Université de Londres, et qui disait souvent, enfin, qui rappelait qu'aujourd'hui l'IA, c'est un peu
en tout cas les IA génératives qu'on utilise, c'est un peu des bazookas qu'on utilise pour tuer des mouches. Je pense que c'est pas mal de se redire qu'en fait, c'est vraiment, il y a certainement d'autres outils qui permettraient de faire ça assez simplement. Autre question ? Il y en a une ici et une là-bas. Oui, bonjour, Karine Belmas, inspectrice du premier degré. Donc, je retiens des quelques mots-clés que j'ai entendus parmi vous quatre, notamment processus, vous avez des processus, se questionner, construire un citoyen. Nous avons tout le monde là, nous avons des enseignants qui incarnent et qui transmettent les valeurs de la République. On a un plan laïcité qui se termine en 2025, donc c'est la dernière année. Pourquoi et quand ne mettrions pas en place, au niveau du ministère et de tous les partenaires, un plan pour former les enseignants, un plan numérique, un plan éthique, afin de justement prévoir ce temps institutionnalisé pour finalement acculturer, s'initier au numérique, hein, à l'éthique et à former des enseignants qui puissent transmettre au-delà des valeurs de la République tout un questionnement auprès des plus jeunes, c'est-à-dire dès l'âge de 3 ans. Un commentaire, Axel, peut-être Margarida, sur ce point-là, c'est intéressant hein, comme suggestion, moi je trouve. C'est effectivement extrêmement intéressant. À 9h45 demain matin sur le stand du ministère, on exposera sur charte pour l'éducation à la culture et la citoyenneté numérique. Ça a la même vertu que la charte pour la laïcité. Et clairement, vous avez raison, on pousse à ces sujets-là. Il faut absolument qu'on ait un temps institutionnalisé sur ça, donc un temps initial et bien de formation initiale, et un temps de formation continuée. Mon invitation est, sans attendre une décision ministérielle, informez-vous, cultivez-vous, prenez ce petit bagage qui vous permettra vraiment de voir loin pour vos élèves. C'est bon. Une dernière, je crois, mais c'est vraiment une micro-question, puisque du coup, on il est 11h29. Après, c'est l'horreur. Je vous écoute, madame. Je vais essayer d'être brève. Donc, moi, je suis ingénieure pédagogique à la ville de Paris pour les cours d'adultes de la ville de Paris. Et on a, dans le système français, à la fois des adultes qui sont scolarisés dans leur pédagogie et pas. On s'aperçoit qu'ils utilisent énormément les smartphones. Ils ont développé les pédagogies d'apprentissage dans leur parcours. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en gros pour les accompagner dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour les aider dans leur apprentissage, sachant que en fait, c'est pas des élèves, c'est des apprenants, mais je crois qu'on est tous apprenants, et que si on arrive à faire en sorte que des publics peu ou pas scolarisés, migrants, s'emparent de l'intelligence artificielle, ben on pourra tous le faire. Il existe une piste vraiment que je conseille qui s'appelle Intelligence artificielle avec intelligence, développée par l'INRIA et la Direction numérique pour l'éducation. Très grand public, donc c'est pas le MOOC que j'évoquais à l'IFORTI est vraiment que pour les professeurs et les inspecteurs et formateurs. Mais Intelligence artificielle avec intelligence, vous le trouvez, c'est une ressource libre, ouverte sur France Université Numérique. On s'y inscrit avec une simple adresse email et le contenu est très court et vraiment fait pour tout public. Et par ailleurs, du coup, je change de casquette, ça vous ennuie pas, messieurs. La MEDNUM, qui est la coopérative nationale de l'inclusion numérique, rassemble par ailleurs les acteurs que sont les hubs pour l'inclusion numérique et les conseillers numériques qui interviennent sur les territoires. Et donc, le hub Francilin pour l'Île-de-France peut être votre interlocuteur. Et puisqu'il y a un programme de formation qui est en cours et qui ne devrait pas tarder autour de Café IA, pour les conseillers numériques, pour qu'ils puissent intervenir sur ce sujet-là. Voilà, le Francilin en Ile-de-France. Merci beaucoup. C'était très chouette, c'était très engagé. Voilà.